Capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par un côté ludique et souvent acrobatique. Sur des rythmes ancestraux accompagnés de chants et d'instruments traditionnels, la capoeira associe un ensemble de mouvements de lutte camouflés en une danse théâtrale. Née dans l'oppression au Brésil, interdite jusqu'en 1945, elle est aujourd'hui présente dans le monde entier. Entre modernité et tradition, la capoeira est un art qui fait appel à des valeurs de résistance, d'émancipation et de mémoire pour ses participants. Le groupe de capoeira d'Ivry-sur-Seine a décidé d'effectuer un voyage au Bénin, d'où étaient embarqués la plupart des esclaves à destination du Brésil. Le but de ce voyage est de remonter dans les origines de la capoeira et de mieux comprendre l'imbrication de la culture afro-brésilienne avec ses origines africaines. Le groupe est composé de 8 Français et de 2 Brésiliens. Il y a une origine très forte africaine de la capoeira, mais en fait, il y a très très peu de liens réels. Les liens sont très mythiques en fait entre la capoeira et entre ses racines africaines. Et les Brésiliens connaissent très peu l'Afrique et les Africains en général connaissent très peu le Brésil. Donc se retrouver au Bénin, dans un des pays qui est une des portes principales de l'esclavage, où il y a les racines du vaudou qui se trouve être la religion, une des religions très fortes afro-brésiliennes, avec d'autres capoeiristes, y compris africains, c'est une occasion unique et c'est un événement extrêmement rare. La première étape de ce périple sera Cotonou, avec l'organisation d'une rencontre internationale de capoeira. L'objectif est de rencontrer des groupes africains qui pratiquent cet art. Pendant les 4 premiers jours, l'ensemble du groupe va se réunir au Centre culturel français pour créer un spectacle dédié à l'histoire de la capoeira. Capoeira Angola, um rito de passagem praticado ao sul de Angola pela tribo Mocope, da nação Bantu. A primeira capoeira a chegar no Brasil levada pelos negros Bantu de Angola e que foi recriada no Brasil para combater a opressão escravagista. La traite des noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ces sanctuaires africains, qui sont les maisons des esclaves de Ouidah, Gold Coast, de Gorée, furent capitales de souffrance et de larmes car des innocents ont disparu. Pendant 3 siècles et sans répit, ils sont chassés, traqués, arrachés de force à leur sol natal, comme les racines des temps sous la torture et l'indignité. Alors, je suis Agibu Bougobali Sanou. Voilà, je suis danseur, chorégraphe, capoeiriste du Burkina Faso. La petite histoire de ce spectacle, c'était essayer d'expliquer l'historique de la capoeira depuis le départ du peuple noir, voilà, jusqu'au retour de la capoeira sur cette terre-là encore. J'ai créé le groupe Tamadia Capoeira, et donc Tamadia veut dire le bonheur de l'aventure. Moi, dans ma philosophie, si
L'esclavage a été une aventure pour les Noirs africains. La capoeira en est un bonheur. Mon nom est Maître Manuel. Je suis Maître Manuel. Je suis né en 1962. Je suis entré dans le monde de la capoeira à l'âge de 11 ou 12 ans. Mon premier contact avec cet art a été comme un coup de foudre. Depuis cette première rencontre, je ne me suis jamais arrêté. A questão toda é envolver o corpo, de dentro para fora, certo? Você vai ficar no mecânico, tá entendendo? Manuel est un maître de capoeira brésilien qui s'est déplacé spécialement pour cet événement. Il vit dans l'une des plus grandes favelas de Rio. Il y anime un projet social avec des enfants qui vivent dans un contexte de violence contrôlé par les trafiquants de drogue. Par ailleurs, il séjourne régulièrement en France pour accompagner le groupe de capoeira de Ivry-sur-Seine. Au Brésil, les maîtres qui voyaient la capoeira pensaient que les esclaves étaient en train de danser ou de prier. En réalité, c'était une manière de cacher une lutte qui venait d'Afrique et qu'ils étaient en train de transformer. D'abord sous forme de danse et de pratiques artistiques. C'est ensuite qu'ils ont adapté ces mouvements pour qu'elle devienne une lutte d'autodéfense. Bonjour, je m'appelle Suleiman Ba et dans l'univers de la capoeira, on m'appelle Apollo. Moi, je suis entré dans l'univers de la capoeira en 2001 et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Si la capoeira m'a beaucoup aussi éduqué, m'a beaucoup aussi montré plein de choses, des valeurs de la vie que j'ignorais catégoriquement. À vrai dire, j'ai passé une enfance vraiment très, 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 très difficile, très compliquée, dont à un moment, je pensais que dans la vie, pour se faire respecter, il faut imposer la violence et avoir d'argent. Pour moi, c'était ça, la vie. Et avec la capoeira, j'ai compris que vraiment, voilà, c'est diamétralement opposé. Et l'objectif de Berimbau Sagrado, c'est de valoriser la capoeira africaine dans tous les horizons. Certes, la capoeira est née au Brésil. Aujourd'hui, en Europe, tu vois pas mal de groupes de capoeira qui naissent, qui grandissent. Aux États-Unis, partout dans le monde, sauf en Afrique. Et pourtant, la capoeira a une partie africaine. Là-bas encore. Encore. Et nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes des Africains. Et bien avant d'être reconnus par les Blancs, ou bien avant d'être colonisés par les Blancs, nous avions des richesses ici chez nous. Et nous n'avons pas su développer notre richesse là, que nous appelons vraiment maintenant la capoeira. Et dans la capoeira, vous allez voir qu'il y a tout un tas de gymnastique dedans. Vous allez voir, et la capoeira d'abord est danse, acrobatie, art et magique. L'objectif de la capoeira Angola est de maintenir vivante la relation avec l'Afrique. Car si l'on perd cette relation, on perd notre identité.
Je pense que la capoeira angola est un moyen de socialisation, de sensibilisation des jeunes afro-brésiliens. Lorsque vous essayez de développer une culture qui donne une vision à ces jeunes, je pense que le système n'en veut pas. La société dominante ne valorise pas la culture noire. Au Brésil, la majorité de la population est noire et indienne, mais leurs droits sont bafoués. Moi, c'est Mamoudou Fassassi. Je suis né à Agoué, l'une des villes historiques du Bénin. Le moringue, c'est une danse folklorique comme la capoeira et qui se pratique dans tout l'océan Indien, et spécialement dans l'île de la Réunion. Les aînés là-bas, c'est les navires comme c'est les esclaves déportés de l'Afrique. Toujours, c'est dans. Et dans le cadre de l'esclavage, qu'ils ont développé ça pour leur jeu, pour le soir, quand ils finissent de travailler, comme la capoeira. Mais un jeu et qui est une bataille de coq, on appelle ça bataille de coq. Et c'est de là, après 2 ans de gestion de ce groupe, j'ai suivi le film Only the Song sur la capoeira de Marc Dacascos. Et oui, c'est de là que l'idée m'est venue de faire des recherches sur la capoeira, et c'est de là que je vois que c'est les mêmes historiques comme le moringue, c'est les esclaves déportés de l'Afrique vers le Brésil qui l'ont créé là-bas, que ce mouvement c'est très très bien adéquat à notre état physique, ça a beaucoup de mouvements, de déplacements, des esquives, des attaques, c'est plus riche, vraiment riche. Donc vous vous appelez, vous tournez les rituels, et puis après, on se fait face encore pour recommencer la roda, les combats. C'est ça le moringue. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, merci beaucoup. Non, pas de chose. Angola, chegando no mundo. O homem veio da África e de lá trouxe a sua religiosidade, a sua dança, a sua música, principalmente, e a sua alegria, acima de tudo. Capoeira é uma prática cultural internacional, desde o seu começo, porque ela é construída por africanos de diversas nações. Então você vai ter africano Congo, Angola, Benguela, Moçambique, Mina, Rebolo, Cassange, todas as nações dentro da capoeira. Quando nasce o espaço urbano, na civilização urbana do Brasil, nasce também a capoeira no século XVIII. O termo capoeira não é um termo africano, é um termo luso-indígena. Ela se nacionaliza a partir de 1850, quando os filhos dos africanos começam a herdá-la e transformá-la. Tem uma coisa que caracteriza a cultura africana, é a alegria. Tudo é festa. Até o trabalho é festa. Português contra o Brasil.
Ça serait super, mais là c'est bien au-delà en fait. Et ben c'est que c'est tout le temps hyper enrichissant ou fort ou moi je suis jamais fatiguée depuis que je suis ici en fait. Il y a tout qui me donne de l'énergie. La capoeira, les gens, le pays. Comme ça. Il est en train de transpirer. Vraiment fort dans l'expérience, c'est en fait c'est vraiment revenir ou plutôt aller à la source de la capoeira dans le sens qu'en fait on voit que ce qui s'est passé, ce qui a été passé de la capoeira en Afrique, en tout cas d'après ce qu'on en a vu, c'est beaucoup les aspects extérieurs, physiques. La capoeira, c'est pas des acrobaties, c'est pas l'essence de la capoeira, c'est une philosophie, c'est une spiritualité qui ensuite se traduit par des mouvements, par des musiques, par des chants. Merci les professeurs. Et vous venez de voir une démonstration de capoeira. Boa. Tout à l'heure, en faisant la visite de Ouida, vous allez prendre la route des esclaves, n'est-ce pas? Mmh. Alors, c'est une danse d'origine afro-brésilienne. Donc, vous avez une partie du groupe qui vient du Brésil, de la France, du Sénégal, du Burkina, Guinée, Togo, ouais. Et du Bénin. Donc, ils sont venus faire quand même une reconnexion. Nous sommes sur la voie de reconnexion, au fait. Bah, c'est ça. Et vous avez la chance de rencontrer les capoeiristes. Merci. L'histoire de la capoeira est indissociable de l'histoire de l'esclavage. C'est de la ville de Ouida que partait la majorité des esclaves pour le Brésil. À Ouida, nous avons pu assister à une rencontre importante. Le maître de capoeira, Manuel, a été accueilli par Martin de Souza, descendant du tout-puissant marchand d'esclaves, Félix de Souza. Ce trafiquant d'esclaves est né au Brésil en 1754. Il était fils d'un marchand portugais et d'une esclave. Il contrôla ce trafic et la ville de Ouida pendant près d'un demi-siècle. Martine est guide touristique. Elle a organisé une visite pour le groupe de capoeiristes sur le thème de l'histoire de l'esclavage. Pour Maître Manuel, ce périple représente beaucoup plus qu'un simple voyage culturel. En tant que descendant d'esclaves et adepte du vaudou, sa présence en Afrique est envisagée comme un véritable retour aux sources. Nous allons commencer la visite de la forêt et nous voici devant la forêt sacrée de Ouida. Où reposent tous les esprits des ancêtres et tous les esprits de vaudou de Ouida. Donc nous allons y rentrer avec beaucoup, beaucoup de respect. Ok, on y va. Vous savez, cette forêt n'était pas sacrée. C'était un simple lieu de repos pour le tout premier roi de Ouida. Pour le premier roi de Ouida, cette forêt n'était pas sacrée. C'était seulement un lieu de repos. Thank you.
Ça va aller. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons ce qu'on appelle l'Egba, Échou. Cette divinité qui est l'intermédiaire entre les êtres humains et le Dieu suprême. Échou a une forme humaine. Et nous voyons son attribut. Pourquoi est-ce qu'il est si fort? Alors, c'est pour nous dire qu'il peut régler tous nos problèmes sur la terre, tous les problèmes que nous lui soumettons. Alors, j'ai démarré par là tout juste pour nous montrer qu'on est toujours en connexion avec les esprits. On ne se sépare jamais des esprits dans notre tradition. On a toujours besoin de conseils. Mas eu tinha dentro de mim que dia. Je savais au fond de moi qu'un jour, j'allais venir en Afrique. En plus, je me trouve sur le lieu, la porte d'entrée de ceux qui ont réussi à revenir en Afrique. Je ne suis pas parvenu à contrôler mon émotion. C'est comme si j'incarnais une divinité qui voulait revenir et qui n'y parvenait pas. Nous sommes quand même fiers, très fiers d'être de Souza. On est fiers d'appartenir au Brésil. Sinon, quand on était enfant, on était inconscient de tout ça. On se disait des petits Brésiliens, on se démarquait de la société. Mais aujourd'hui, quand même, en prenant conscience, nous voyons quand même que nous avons un devoir de mémoire quand même envers tout cela. Et moi, bon, ma manière de le faire, c'est de raconter l'histoire telle que c'est. Et ma famille n'a pas toujours aimé ça parce qu'ils me disent que ce n'est pas à moi de dire que mon ancêtre a été esclavagiste. Mais je dis, mais c'est écrit noir sur du blanc dans tous les livres. Ce n'est pas à moi de mentir quand même. Donc nous allons observer une minute de silence en mémoire de nos chers ancêtres. Africa, kuna mama bege, capoeira tibirge, o gui, non def man yak si fe. Eu acho que assim, tem muitas coisas mesmo que ela está colocando, fica assim, se encaixando. Né? A capoeira me obrigou isso, a pesquisar, estudar, a correr atrás da história, das raízes, entendeu? Eu sou muito feliz de ter encontrado o professor Manuel. É um grande prazer para mim. Sim, para mim é mais ainda. Eu não fiz esta caminhando como ninguém mestre. Como, é só como mestre Manuel que eu fui na Floresta Sacrée. É uma grande emoção para mim. Il y a beaucoup d'esclaves au Brésil qui sont morts par nostalgie de leur terre. Il y avait une maladie connue sous le nom de Banzo. C'était la maladie des esclaves. Ils mouraient de tristesse. Il y avait beaucoup de dépression car ils souhaitaient rentrer chez eux. Beaucoup se sont suicidés. Oh,
Donc je vais parler de la musique de la capoeira angola. Donc la musique, elle est là pour transmettre l'énergie, le haché, ce qu'on appelle le haché dans la capoeira. C'est l'énergie, c'est une genre de force, force vitale, quelque chose de très profond qui se trouve aussi dans la nourriture, qui se trouve dans la culture, qui se trouve, on dit de quelqu'un qui a du haché, on dit une musique qui a du haché, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu une transe un petit peu. Mais pas vraiment la transe qu'on rencontre dans la religion. Mais c'est pas loin. Et donc, pour transmettre cette transe, on a besoin d'instruments. Et l'instrument principal de la capoeira, c'est le birimba, qui vient d'Afrique. Il vient d'Afrique. Quand il est venu d'Afrique, il n'y avait pas le dobran, la petite pierre, pour pouvoir faire les deux notes. Il y avait juste une note. Il n'y avait pas le cachichi, qui est un instrument typiquement brésilien. Et il n'y avait pas la calebasse. Et c'était l'instrument, l'arc à bouche en fait. Donc comme une guimbarde. Hein, d'accord ? C'était un instrument rituel des chasseurs qui a été amené au Brésil ensuite. Dans la capoeira angole, le maître qui a inventé, qui a synthétisé, c'est maître Pachting. Il a eu un rêve et il a rêvé que comme dans la religion africaine, comme dans la religion du candomblé, il y avait trois atabaques, ron-ron-pilé, trois atabaques, il a dit on va mettre trois birimbas. Parce que l'on a dit qu'en général, tu apprends un instrument et tu apprends à être bon dans cet instrument si tu veux devenir professionnel. Là, dans la capoeira, il faut savoir tout faire. Il faut jouer les tambours, il faut chanter, il faut diriger le rituel. Et puis, il y a beaucoup aussi le respect, parce que quand un maître arrive dans la ronde, eh ben, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir... C'est une école de la vie, quoi, un petit peu. Donc ça, voilà, c'est ce que m'a appris la capoeira. La roda de capoeira angola est un rituel. Comme dans tout rituel, tous les détails sont importants. Dans une roda, il y a d'abord l'ensemble des percussions avec tous les instruments. Le rituel commence avec le maître, ou c'est lui qui tient le gunga, le berimbau principal. C'est celui qui détient ce berimbau, qui a la responsabilité du bon déroulement de la ronde. Le pied du berimbau est très important. C'est le lieu où nous sommes tout près de l'orchestre. C'est un lieu sacré pour un angoleiro. C'est là qu'on va demander protection, faire une prière ou tout acte symbolique qui nous semble important avant de commencer le jeu. La fonction de la chamada est de lancer une invitation au partenaire pour lui proposer sa malice, lui dire « Viens me montrer ce dont tu es capable ».
La base du jeu est la jinga, c'est le rythme. Comme le dit une chanson de capoeira, on reconnaît un bon angolero à travers sa jinga. Il n'y a pas besoin de faire des sauts spectaculaires. Dans la capoeira, il y a une dimension d'imprévu. C'est cet imprévu que l'on retrouve dans la notion de malice et de jinga. C'est se demander comment je vais me débrouiller dans l'imprévisibilité de la vie. Cela est lié au fait que la capoeira est née dans la rue. Elle incarne cette imprévisibilité du monde de la rue. Ce qu'il y a au centre de la capoeira Angola, c'est une relation, une conversation, un dialogue entre deux corps. Il y a une question, une réponse. Chacun a un objectif. Réussir à placer un coup de tête ou à faucher son adversaire. Je gagne lorsque mon partenaire n'a plus de réponse à me donner. C'est un jeu avant tout. Le mouvement, beaucoup peuvent le maîtriser rapidement. Mais jouer la capoeira Angola, peu savent le faire. Pour apprendre, il faut beaucoup de sensibilité, d'humilité, d'engagement. Il faut comprendre l'essence de la capoeira Angola. Ogum é o dono da capoeira. Seu Ogum é o rei da capoeira. Quem comanda a capoeira é o seu Ogum. No Brasil, o dieu de la capoeira é Ogum, o dieu de la guerra e do fer. O vaudou joue um rôle importante na capoeira. Sa função é de proteger seus adeptos e de manter o lien avec la mythologie africaine. Os esprits do vaudou representam uma desincarnação do mundo vivant. Avec leur pouvoir, eles deviennent des guides, que orientam e que protegem. Si au Brésil, les cérémonies se déroulent le plus souvent à l'abri des regards, en Afrique, les divinités se trouvent au centre du village. Pendant son séjour, Maître Manuel a tenu à consulter un prêtre vaudou en compagnie de Martin de Souza pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Ma mère, qui est mãe de santo, du candomblé. Sa mère, elle est prêtresse de candomblé, qui est le vaudou si. Brésilien. Si. Donc, il est soit un vaudou noir. Lui, il n'est pas prêtre de vaudou. Il est simple adepte. Non, il n'est pas du sang. C'est un adepte. Oui, c'est un adepte. Non, segui, mais buscando pela capoeira a questão da espiritualidade através da capoeira. Sou filho de Oxalá com Ogum. Ogun Tom. Ogun c'est Sebulissa. Sebulissa ou Obatola, c'est la même chose. Et les divinités, on ne les choisit pas par hasard. Et aussi les cérémonies, on ne les fait pas n'importe comment. Donc, il faut faire les cérémonies avec beaucoup de précision, beaucoup de discernement. Là, celui-là qui est sujet dans cette cérémonie aura la paix, les bénédictions. Eu me sinto assim no Brasil, como muitas coisas, muitas visões, muitas coisas que eu não aceito, não entendo e não aceito.
E por isso eu apego muito à cultura, né, afro-brasileira, onde busco também meu consolo, né? Uhum. Então, nós iremos diretamente dans la salle de Fa. A gente vai fazer a consulta direto. Ok, on y va. Vamos. Depois você coloca no meio aí. Vamos bem junto. Ajubale, tu vois, Ajo, à Tiron, Ajuba, Lokun, Alosa, il passait, Pate, Tangwe, Afrikete, Togu, Tona. Et nous tournons bien à Juba, et à Tony bien à Juba, à Juba, Nika, Kadanikansi, Baba, Yita, Guito, à Clavat, tu la cafa, quand bien, du haut, monte à la Biwandi, à la Kadak, Baba, avant, se montre, dans un ado, bête, ma gouni. Tu vois, tu as mal, ton roi. Tiens, y est, tu es. Et même, non, Viton, mais ton délai, là, au coup. Mais les capons, ils y sont. Bon, ni les gens de mon ablo, de vicien les jouets, de la société les jouets, et à nous à Dalome. Et à nos babas, on est timbois, on a nos bananes, on a bon sang, on clame nos dédés. Mais on doit nous laisser les pommes. Il a vu que le maître a beaucoup d'émotions. Et il lui demande quand même d'avoir confiance. Parce que ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé dans cette maison. Agradecer muito para mim é como uma nova energia, né? Sair daqui e com uma nova energia, com novas esperanças de continuar, né, meu? Minha sim, tarefa. Sim. A questão da. La dimension spirituelle dans la capoeira est très importante. Parce que lorsque arrive le vaudou et la capoeira au Brésil, ils sont tous deux persécutés par l'État. À cette époque, les adeptes de la capoeira étaient très liés avec les prêtres vaudous. Donc les rôles des capoeiristes étaient de protéger les lieux de culte. L'Afrique, pour n'importe quel Brésilien, représente un fantasme. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'Afrique, mais c'est quelque chose qui se trouve dans nos consciences, dans nos têtes. L'Afrique comme notre terre natale, notre terre d'origine. Nous avons créé cette rencontre triangulaire. Nous étions en France et nous avons organisé cet événement en Afrique, avec l'idée de croiser les cultures. Je crois que la capoeira permet cela. Après l'abolition de l'esclavage en 1888, de nombreux esclaves affranchis quittèrent le Brésil pour rejoindre le Bénin, la terre de leurs ancêtres. L'expérience acquise au Brésil en tant que tailleur, menuisier, maître d'œuvre, permit à ces anciens esclaves de se réintégrer facilement. Que ce soit dans le domaine de l'architecture, l'art culinaire ou la musique, cette communauté maintient vivant le lien entre le Brésil et l'Afrique. Comme au Brésil, ils commémorent certaines fêtes religieuses et organisent un carnaval chaque année. Ils se considèrent encore aujourd'hui comme des Brésiliens. Au Bénin, on les appelle les Agudas. Je suis Aguda, 100%. Mon papa est venu à Porto Novo. Il m'a fait naître ici. Il est venu de Ouida. Il est descendu à Ouida. Son papa est descendu à Ouida. Son papa fut vendeur dans les bateaux pour arriver avec les esclaves ici. Moi, je suis 100% brésilien. Je m'appelle Amaral. Nous, ici, ce qu'on a gardé surtout, c'est ce que nos parents nous ont laissé. Comme quoi, et la musique brésilienne et les accoutrements de chez nous, l'église de Notre-Dame,
c'est mon papa. Et ceux-là, la grande mosquée de Porto Novo, c'est les structures des Brésiliens. Les maisons que vous voyez à Porto Novo ici, ce sont les Brésiliens qui ont fait ça. Mon papa est maître maçon. En soirée, Jean Amaral a convié le groupe de Capoeira à une petite démonstration de leur carnaval. Voilà les masques. Il y a Yo-Yo, Yaya. Ouais. Et monsieur, une fois que... comment ça se passe? Vous vous baladez dans la ville? On ne se balade pas. On fait le carnaval de la ville. On passe dans les rues. Voilà, ouais. Après le carnaval, le soir là, c'est un samedi comme ce jour. Oui. On s'assied après le carnaval, on joue du samba. D'accord. Et tout le monde vient jouer, vient danser avec nous. On va vous faire une petite danse. Ah. Moi seul, je vais jouer, vous allez voir. Je constate que ma visite a été une surprise pour les Africains. Le fait qu'un maître de capoeira Angola vienne enseigner ici. C'est la première fois au Bénin, me semble-t-il. Je pense que c'était une surprise pour eux, car ils ont une perception de la capoeira, en tout cas de celle qui a été introduite ici, qui est différente de la nôtre. Il y a d'autres courants de capoeira qui essayent de se détourner systématiquement de la tradition. C'est une difficulté que nous affrontons. En Afrique, la plupart des groupes pratiquent la capoeira régionale, qui est une forme de capoeira très axée sur la performance sportive. Maître Manuel et le groupe Tublo Daï pratiquent la capoeira Angola, qui est la forme la plus traditionnelle de la capoeira. Une capoeira qui ne se considère pas seulement comme un art martial, mais le prolongement de l'histoire et de la culture africaine au Brésil. C'est cette forme de capoeira qui fut interdite jusqu'en 1945. Pour contrer ce mouvement, les autorités brésiliennes de l'époque inventèrent la capoeira régionale, une capoeira vidée de sa dimension historique, philosophique et politique. Parce qu'avant, le Brésil ne regardait que l'Europe. Pour eux, ils voulaient être des Européens, en fait. Donc tout ce qui était brésilien, tout ce qui était indien, d'origine brésilienne, indienne, africaine, tout ça, ils ne voulaient pas, ils rejetaient. Et il y a un moment, au début du XXe siècle, où il y a eu un changement, et commencé à avoir un changement de mentalité en disant on a une identité brésilienne, il ne faut pas qu'on rejette l'identité brésilienne. Et donc, il y a un maître de capoeira qui s'appelait Maître Bimba, qui a proposé à Getúlio Vargas de modifier la capoeira pour la nettoyer en fait de ses racines africaines d'une certaine manière, c'est-à-dire que enlever tous les rituels, enlever les connexions trop fortes avec le candomblé qui est le vaudoum brésilien, rajouter des mouvements de jiu-jitsu, d'autres disciplines. Alors en réaction un peu à ça, il y a un autre maître de capoeira qui s'appelle Mesh Pachting qui a créé il n'a pas créé la capoeira Angola, mais il a structuré la capoeira Angola, qui était la forme plus traditionnelle, en faisant un instrument de résistance et d'éducation.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et j'étais ému vraiment du potentiel de chacun. Je suis plutôt régional. Mais avec les singes que j'ai eus, mon envie, c'est plus bosser l'aspect de la capoeira en Angola. Comme on dit, c'est vrai que la régionale, elle est beau avec ses acrobaties, côté martial. Mais à un moment de la vie, c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est plutôt l'espiritualité. Et cette sagesse, je le trouve qu'en Angola. Et pour moi, c'est pas simplement un sport, mais c'est plutôt... Moi, quand je joue l'Angola, c'est comme si je suis en train de faire une prière. Et c'est fort, c'est profond. Et ça me donne plus le courage et la volonté d'essayer de plus perfectionner ma capoeira pour pouvoir vraiment voilà, montrer une originalité dans la capoeira africaine. Bah, je pense que c'est pas juste que la capoeira se développe pas en Afrique. Parce que c'est là où elle a toutes les raisons de se développer. Pourquoi pas qu'ils revendiquent une certaine capoeira africaine, quoi. Qu'il soit, je dis pas un autre style ou quoi, mais puis parce que c'est embêtant aussi tout le temps cataloguer les choses, quoi. Il y a une capoeira, et puis on la pratique, et la capoeira, elle est née aussi du mélange. Il faut toujours osciller entre la préservation de la tradition, et puis la capoeira, elle est liée, enfin, elle existe que par le mélange, quoi. Et c'est du théâtre, c'est ce que chacun y met, et donc c'est pas non plus totalement codifié. Donc quand ils rajoutent des petits pas de danse africaine dedans, ou quand ils chantent avec, en langue locale ou quoi, je pense pas que c'est dénaturer la capoeira ou la tromper. Moi j'ai trouvé ça beau, ça m'a plu quoi. C'était ça que j'étais venue chercher, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça super. Mais l'Afrique, vraiment qui a vraiment tant donné, ne connaissent pas d'une manière précise les traditions de la capoeira. Parce qu'en Afrique, il y a peu de professeurs, peu de maîtres, peu d'académies, peu d'événements sur la capoeira. Nous sommes très, très reconnaissants pour cette visite. Et nous savons qu'à partir de là, personne ne peut venir nous dire que c'est eux qui connaissent la capoeira Angola. Nous savons qu'on connaît la capoeira Angola à travers le maître Manoel. On sait. Nous savons au fond de nous, même si nous pratiquons la régionale. Parce que la capoeira Angola, c'est la base. Et c'est après ça qu'est venu tous les autres mouvements. Capoeira Angola, c'est l'originalité, c'est la tradition, c'est le plus ancien, c'est le plus vieux. Achève.